T'as l'air vraiment méchant, toi. Et tu n'es pas très intelligent non plus, hein. Bon, eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la guerre de Rome, saison 1. On va défoncer eux. Qui étaient venus sur notre territoire. T'aurais pas dû fuir, mec. Venez la bataille. Ah, je vais te défoncer! En plus, j'ai mon alliance de 1200. Il va se faire défoncer en 2-2. Voilà. Là, on est prêt et on commence la bataille. Ils vont pas avancer? Cool. Tu les amis, ça va? On est là. Je vais vous défoncer. Ils ont une troupe d'archers et une troupe de chevalerie qui va être très importante de déloger rapidement. Allez. J'arrive. Pas vraiment l'impression qu'ils veulent bouger, qu'ils veuillent bouger. Halt! Vous attachez ici. Ah oui, je sais. Je vous êtes à mon service. Allez. J'arrive. Allez. Non, plutôt sur eux. Salut.
Salut, t'aurais jamais dû t'arrêter à ma première troupe, toi. Va-t-il se passer? Toi, viens là vite. Vite, tirez. Ils m'ont enlevé un peu trop de force là sur eux. Salut, ça va? Je crois que vous êtes un peu entouré là. Voilà. Et là, c'est bon, c'est même parfait. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ils ont essayé de me tirer dessus. Est-ce qu'on va réussir à les rattraper avant que tu quittes la map? Je pense. Allez, arrêtez de pleurer un jour ou l'autre. Salut, c'est moi. Et voilà, on en a perdu 177 quand même. Mais bon, ils en ont perdu 385 sur leurs 390 et ils m'en ont tué 163. Je sais pas comment j'ai perdu les autres. J'ai perdu des chiens, c'est triste. Salut, t'es mort. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il te mange? De l'autorité. Et le deuxième, il te manque les deux. Huit de portée de déplacement, c'est bien. Voilà. Comme ça, je pourrais rejoindre les deux. Une nouvelle technologie. Ah oui, peut-être fallait peut-être que je clique ici.
Moins 15% de coût de recrutement des mercenaires, c'est cool ça quand même. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est du truc pour avoir des chevaux. Portée, poste de commandement, truc. Ok. C'est ça qu'il nous faut pour avoir un de l'échestre et pouvoir après avoir vétérinaire pour faire la équestrie. C'est bon, j'ai fini mon tour. Ah mince, j'ai oublié le truc pour faire progresser l'argent. On le fera au prochain tour. Je crois qu'il nous fallait 1900. Ça devrait aller. Allez. Arrêtez de vous approcher de chez moi. Je vais vous défoncer. Est-ce qu'on peut attacher à ce tour-ci? Ok. Voilà. Voilà, comme ça on aura plus de nourriture. Là, on peut rien faire. Et là, on peut rien faire d'autre. À part continuer à recruter des troupes, ce qu'on va faire ici, parce qu'il nous en faut énormément. Voilà, tour suivant. Là, on retourne là-bas avec lui. Notre bateau avance. Les pires se déplacent. Eux, ils viennent. Je crois qu'ils regroupent toutes leurs forces dans leur dernière capitale. Restante. Je pense qu'on aura un peu mal en fait si on attaque. Ben, tu vas aller là et... Non. Mes compétences vous appartiennent. Cela va même au-delà de mes considérables talents. Aux ordres. À fond. Voilà. Prêt pour vos ordres. Et voilà. Les vagues nous appellent encore. Oui, je sais, les vagues nous appellent encore et ainsi de suite, mais pour le moment, c'est pas vraiment ça ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait construire dans nos villes? Là. Apporte une jardinière, ils sont de Rotary de Lève, un fortress de salaire. Chien de Ger. Déjà tout ça. On va plutôt prendre ça.
Annéapolis, je sais absolument pas où c'est Néapolis, ça. C'est là, et là j'ai mes deux trucs. Je commence vraiment à avoir un territoire assez grand, ça va être assez dur à gérer. On commencera par l'Italie en entier. Puis cette petite île là, et les îles qui sont là, pour les avoir toutes. J'ai pas envie de devenir en ennemi avec eux tout de suite, donc on verra. Bon. Ok. Et là, j'ai pas le droit. Effet de l'impôt. Un set d'ordre public plus 0 de 3 sens par tour. Ok. Ok, peu fiable. Loyal. Eux, ils sont loyaux. Alliance militaire et... C'est où les... D'accord. D'accord. Expansionniste. Prudent. Expansionniste. Confiant sournois. Confiant sournois. Confiant peu fiable. C'est où qu'on fait les trucs pour les alliances commerciales? Commerce et finances. Alors, commerce, vous avez actuellement aucun partenaire commercial. Passez des accords commerciaux par le biais de la diplomatie pour recevoir des revenus et de l'exportation de ressources. Alors. Par le biais de la diplomatie. Mais moi je peux pas passer d'accord commercial, donc en fait c'est complètement débile. Alors.
Lui, il protège ici, il n'y a personne sur mes îles, Chumdab. Il a fini son déplacement, et lui aussi. Voilà. Alors. Il commence à vraiment avoir beaucoup de troupes, c'est ça le problème. Salut. Flotte au rapport. On garde le rythme. C'est l'ordre. Commandant. Ok. J'aurais pas une autre armée qui pourrait venir m'aider. Non, trop long, 5 tours. On va attendre le prochain puis passer à l'attaque. Allez. Campus Fujiti, on va aller voir ce que c'est maintenant d'ailleurs. Faites 20 tours de champagne. Ok. Ça va être très très dur d'attacher, hein. Ok, d'après ce que je vois, j'ai plus de nourriture. En famille, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je préfère ça. Et le reste, c'est bon. Ah non, non, non. Il me faut encore une nouvelle technologie. C'est là pour les chevaux. Exercice, ta petite fête, un clic de gauche pour rechercher cette technologie. C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, les chevaux. Voilà. Alors, terminé, non, pas terminé le tour. Okay. Là, ils peuvent pas venir, en aide. Voilà, va falloir que je vienne de là. Et si là j'attends ça? C'est risqué, très risqué. Une troupe de plus, ça devrait aller. Flotte au rapport. C'est une route dangereuse. À votre service. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. Pourquoi je peux pas y aller?
Et apparemment, vu que je sais chez eux, va falloir que j'attende un tour de plus. Donc au prochain tour, je les défonce normalement. Mais le prochain tour, c'est aussi... Oh! L'épisode sûr. Ils sont tous en train de se barrer. Je crois qu'ils vont tous essayer d'attacher chez moi en même temps. Sauf que... J'aurais pris leur dernière ville bien avant. Des forces. Voilà, on a lancé le recrutement de deux troupes de chevaliers ici. D'accord. Ils ont presque tué des bateaux, ça c'est cool. C'est même très très cool. J'en ai 330, ils en ont 1080, 207 et 120. Sachant que j'ai aussi de l'eau, ça va être très très cool. Cool, parfait, je commence le déploiement, c'est une journée parfaite. Mes troupes vont arriver, mes renforts vont arriver de là-bas, ça c'est cool. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre nos deux troupes de chevalerie qui ont presque plus de vie ici pour qu'elles attaquent l'eau directement. Ah mais c'est pas la ville là qu'on attaque, mince. La ville, on la prendra donc au prochain tour. Là, on se met la chevalerie. La deuxième sera là. Et la troisième, ici, attendra son tour. Alors. Un ici. Un ici. Un ici. Deux troupes de... d'archers. On met une troupe comme ça derrière. Et là, on met notre général avec... D'un côté, les chiens. Et une deuxième. Après, là, on en met un. Là, un deuxième. On met deux troupes d'archers derrière. Et voilà. Parfait! Ah oui, ils ont beaucoup, beaucoup de navires. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer celui-ci ici. Envoyer celui-ci là, en mode bélier et... Voilà. Allez, rentrez-vous bien dedans. Oui, un tout petit peu. On va mettre au ralenti pour le moment. Comme ça, ils avancent, mais en même temps, on a un peu le temps
partager. Alors toi. Tu vas aller par là. Et ma deuxième cavalerie. Pas vu qu'ils avaient un truc ici. Tu te mets en un chat rapide ici. Toi. Oh, 30 minutes. Bon, bah, c'est la fin de l'épisode. Allez, bye!